Voici donc un mail reçu soi-disant par PayBal, donc là avec un petit message pour votre sécurité, notre priorité. Pas de nom. Alors je rappelle que vous avez toujours pour un véritable mail PayBal un nom et prénom en haut. En regardant les informations via un téléphone, on peut voir l'adresse qui est adotancé.69003. Enfin bon, donc ce n'est pas un mail de PayBal, ça le confirme bien. En cliquant sur le lien quand même, donc on vous demande votre adresse mail PayBal. Et ensuite, on va vous demander votre mot de passe PayBal. Donc là, ça permet d'être récupéré pour l'utilisation frauduleuse de votre compte PayBal. À savoir qu'une fois que vous avez cliqué sur connexion, vous pouvez envoyer à l'escroc. Mais après, vous avez une deuxième arnaque. Donc souvent, c'est souvent le cas. Donc on vous demande vos infos personnelles, numéro de téléphone, adresse, etc. Et ensuite, on va vous demander une deuxième info, donc un deuxième phishing et deuxième récupération de vos infos. C'est vos infos de carte bancaire. Voilà, donc une fois que vous avez rentré tout ça, c'est envoyé directement à l'escroc. Donc faites très attention, PayBal envoie toujours un mail avec votre nom et prénom en haut et pas une adresse mail, votre nom et prénom. Donc faites attention à vous, merci et à bientôt.